Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau webinaire de présentation de groupe de travail donc sur le groupe Ecovit d'une chaussure. Donc on a aujourd'hui cette troisième présentation. Cette année, on lance quatre nouveaux groupes de travail autour de la mode 2050 future souhaitée, mode et univers virtuel, Ecovit d'une chaussure et économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc aujourd'hui, on va plus en détail vous présenter celui de Ecovit d'une chaussure. Donc moi, je veux me présenter en premier. Je m'appelle Manon Morales et je suis pilote des groupes de travail et des projets collectifs pour Fashion Green Up Grand Paris. Donc je suis aujourd'hui sur le plateau fertile parisien, qui est donc le nouveau plateau fertile de Fashion Green Up. Et qui accueille, comme le plateau fertile Roubaix, différentes activités comme un Fab Lab de prototypage, des espaces de coworking, un centre de formation pour des formations inclusives et des formations professionnelles, et également des salles de réunion à louer, et également un outil de studio photo. Donc aujourd'hui, on va, comme je disais, plus en détail vous présenter le groupe de travail Ecovit d'une chaussure qui sera animé par Héloïse Moigneau, qui est cofondatrice de Slowia et qui va me rejoindre sur ce webinaire pour vous présenter plus en détail le groupe de travail et répondre à vos questions. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Héloïse. Merci Manon pour l'introduction. Donc, je suis Héloïse Moigneau, je suis la cofondatrice de Slowia et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce live LinkedIn pour vous présenter le groupe de travail Ecovit d'une chaussure et répondre à vos questions. J'en profite pour remercier tous ceux et toutes celles et ceux qui ont déjà répondu présent via le formulaire de pré-introduction. Alors, pour commencer, je vais rapidement vous présenter mon parcours. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans le prêt-à-porter. Puis après un passage dans le secteur de l'assurance, j'ai travaillé dans la grande distribution avant de rejoindre un grand groupe de presse professionnelle. Et depuis maintenant plus de 5 ans, j'accompagne les marques de mode responsable à se développer en évaluant la cohérence et l'intégrité de leur démarche responsable. Alors, je suis très enthousiaste à l'idée d'animer ce groupe de travail pour plusieurs raisons. D'une part, j'ai une forte appétence pour l'univers de la chaussure. Avec Slowia, j'ai acquis une forte expertise en travaillant avec de nombreuses marques dans l'univers de la chaussure. Et à travers nos évaluations, nos audits, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait une problématique commune à la majorité des marques de chaussures, même pour celles qui sont dans une démarche d'économie circulaire. En effet, malgré un sourcing de qualité, une recherche de durabilité, les marques se retrouvent souvent face à une impasse, surtout lorsqu'il s'agit de trouver des solutions quant à la fin de la phase d'usage d'une paire de chaussures. Alors, avec Fashion Green Up, on est convaincu que c'est en mutualisant les expériences et les ressources que nous allons pouvoir créer de nouvelles synergies. Et notre volonté à travers ce groupe de travail, c'est vraiment de mutualiser les expériences, les ressources, comme je le disais, mais c'est aussi de co-créer avec vous de nouvelles solutions pour favoriser la durabilité, la recyclabilité, la réparabilité aussi et le réemploi dans la filière de la chaussure. Comment je vais aider ce groupe de travail à atteindre son objectif? En tant que pilote et animatrice de ce groupe de travail, mon rôle, ça va être de vous accompagner au cours des 12 mois que va durer ce groupe de travail afin de vous aider à aboutir à des solutions concrètes pour que la filière devienne plus responsable, circulaire et durable. Et j'aimerais vous apporter mes connaissances de la mode responsable et mon expérience aussi à diriger des ateliers d'intelligence collective et de facilitation. Alors, pourquoi on a lancé ce groupe de travail sur l'éco-vie d'une chaussure avec l'association Fashion Green Up? Donc, l'association Fashion Green Up ouvre ce groupe de travail à la demande de ses membres afin que vous puissiez réfléchir ensemble aux différentes actions que l'on peut mener auprès de la filière.
Dans une démarche d'éco-conception, la fin de vie d'une chaussure est une problématique majeure. On sait que 9 paires de chaussures sur 10 finissent dans les déchets ménagers et que la plupart des chaussures ne sont ni éco-conçues, ni recyclables, ni recyclées, et qu'il y a donc un enjeu majeur pour la filière. Si je parle un peu plus maintenant de la méthodologie que nous allons adopter, donc ce groupe de travail, il est ouvert aux entreprises de la filière chaussures qui sont membres de Fashion Grenoble et qui souhaitent travailler de manière collaborative et prospective. Cela implique d'être dans un esprit de partage, aussi d'entraide, et d'être aussi dans une véritable volonté de coopération. Nos réunions seront d'ailleurs l'occasion de partager des expériences, des bonnes pratiques, mais aussi de revenir sur des initiatives qui n'ont pas forcément fonctionné et aussi de lever des points de blocage. J'aimerais qu'on puisse utiliser des méthodes d'intelligence collective pour déterminer et valider ensemble les axes de travail qui seront traités sur les 12 mois que dureront ce groupe de travail. Ce n'est pas en réalité d'être dans la formation, ce n'est pas non plus une formation, mais c'est vraiment dans le concret avec une approche qui est celle de la recherche-action pour réussir à prototyper, et ça c'est le défi que j'aimerais vous lancer, la chaussure éco-conçue idéale. Peut-être pour vous donner aussi des exemples d'objectifs que j'ai listé, mais que nous pourrons valider et affiner ensemble. Ça va être, par exemple, comment augmenter la durabilité et retarder la fin de vie d'une chaussure. Ça va être aussi comment rendre toute la chaîne plus vertueuse de la conception à la fin de vie. Ça peut également concerner l'engagement des partenaires, comment les amener à travailler sur l'éco-conception. Comment restructurer également la filière de la collecte et favoriser le réemploi. Il y a également toutes les notions liées aux enjeux pour les fabricants et distributeurs sur les marchés, sur le marché que l'on peut appeler de la réutilisation et de la réparation. Mais il y a également toutes les questions liées au savoir-faire et au niveau technique, notamment en lien avec les nouveaux procédés et matériaux. Alors, comme je vous le disais, ce sont des exemples de thématiques que l'on va pouvoir affiner et hiérarchiser ensemble. Et justement, les premiers rendez-vous, ce sera l'occasion de faire ensemble ce qu'on appelle des moments d'immersion pour définir les axes prioritaires de ce groupe de travail, en profiter pour faire un état des lieux global des problématiques du secteur pour bien cadrer le sujet. Et bien entendu, nous ne serons pas seuls, puisque vous allez aussi accéder au réseau de Fashion Grenoble et l'écosystème pour alimenter notre réflexion. On aura l'occasion d'échanger avec des entrepreneurs, des industriels, des startups qui sont passés par les mêmes problématiques que vous ou qui proposent aussi des solutions inspirantes, et ça va permettre justement de confronter les idées. Et si vous le souhaitez, on va pouvoir aussi organiser une visite d'un atelier ou d'un site qui permet la revalorisation, le recyclage d'une chaussure. Voilà, c'est vraiment tout un écosystème qui va s'ouvrir à nous. Autre aspect de ce groupe de travail, c'est aussi la taille de ce groupe qui sera vraiment à taille humaine. On compte une dizaine d'entreprises et ça va nous permettre aussi de composer des sous-groupes de travail thématique entre les séances afin de creuser les sujets et expérimenter aussi différentes approches. Au niveau du livrable, ce groupe de travail, c'est aussi un partage d'expérience à travers la réalisation d'un livre blanc qui pourra être partagé au plus grand nombre. Donc, dedans, on va pouvoir y partager nos observations, nos solutions qui ont abouti, qui ont permis de prototyper la chaussure idéale. Ce sera donc un outil concret avec les bonnes pratiques. Et puis, dans l'idéal, on pourra aussi organiser un événement de restitution, un petit peu à l'image de celui qui va se dérouler le 8 décembre sur un autre groupe de travail qui s'est déjà déroulé, qui était sur le zéro plastique, pour vraiment
partager, diffuser l'ensemble des enseignements que l'on aura appris au cours des 12 mois de travail. Concrètement, donc, les avantages pour vous à rejoindre ce groupe de travail et adhérer à l'association Fashion Green Up, si vous n'êtes pas adhérent, c'est réseauter afin de rencontrer d'autres marques qui partagent des problématiques communes et puis aussi être dans un groupe à taille humaine. C'est faire avancer votre réflexion, monter en compétence sur le sujet de l'éco-conception. Le simple fait d'échanger avec d'autres acteurs peut faire avancer la réflexion et puis créer aussi des synergies. C'est aussi mutualiser les forces. On est tous très occupés et sortir la tête du guidon et travailler en groupe sur un objectif commun, ça permet vraiment d'avancer beaucoup plus vite que seul dans son coin pour trouver des solutions qui sont concrètes. Et puis, ça peut être aussi tout simplement prendre de l'avance vis-à-vis du secteur, faire avancer la filière et puis être aussi voilà, être en phase avec les futures réglementations. Avant de passer à la phase de questions-réponses, voici quelques précisions supplémentaires sur le groupe de travail. Donc, le groupe de travail, comme je le disais, il dure 12 mois. La fréquence, ça peut être reconductible aussi en fonction des nouveaux axes de travail que l'on identifie ensemble. La fréquence, c'est une réunion tous ensemble, une fois par mois, à Plateau Fertile Paris, donc le nouveau tiers-lieu qui vient d'ouvrir rue Berlier dans le 13e arrondissement. Manon vous en a parlé, elle pourra aussi peut-être vous en reparler par la suite. Et pour celles et ceux qui sont plus éloignés, qui ne sont pas en région parisienne, le distanciel est possible. Après, pour le bon fonctionnement du groupe, il est primordial que l'ensemble du groupe soit réuni au complet pour la réunion de cadrage, donc la première réunion, et puis la suivante. Dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est les inscriptions pour ce groupe de travail. Donc déjà, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont déjà répondu. Les places sont limitées à une dizaine d'entreprises, comme je le disais, et il est possible de s'inscrire via un lien qui est dans le descriptif de l'événement, mais aussi disponible sur le site de Fashion Green Up. Et nous sommes actuellement en train de programmer les premiers entretiens avec les personnes qui se sont déjà préinscrites pour comprendre leurs besoins, leurs attentes vis-à-vis du groupe de travail, mais aussi ce qu'ils vont pouvoir apporter à ce groupe. Parce que l'objectif, c'est de veiller aussi à ce que le groupe soit le plus équilibré possible entre marques, start-up, industriels, enseignes, et de manière à ce qu'on puisse vraiment avoir un champ de compétences et que chacun aussi puisse y trouver son compte. Alors, je propose maintenant qu'on puisse passer au échange. Là, on a quelques questions qui arrivent, donc on va tout de suite y répondre avec Héloïse. Donc, Lucille Costé nous demande si le groupe de travail s'adresse exclusivement aux entreprises ou bien aussi à des indépendants ou des freelances. Alors, le groupe de travail, il est ouvert à toutes les entreprises qui sont en lien avec la filière de la chaussure. Donc, dans le cas de Lucille, moi, ce que je propose, c'est que vous préinscrivez sur le formulaire en indiquant bien votre adresse mail. Et puis ensuite, moi, je prendrai contact avec vous pour bien comprendre vos attentes vis-à-vis de ce groupe et puis voir aussi qu'est-ce que vous pourriez y apporter. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas. Voilà, on essaie d'intégrer vraiment le maximum de personnes et pour des entreprises grandes ou petites, le but c'est de pouvoir aussi mutualiser les ressources entre des entreprises qui n'ont pas forcément la même taille et typologie d'activité à la base. Ici, ce sera centré sur la chaussure, mais ça peut être très bien des chaussures type sneakers ou d'autres types de chaussures. Le but c'est vraiment de pouvoir mutualiser autour de problématiques communes. Tout à fait. Et d'ailleurs, Manon, tu parlais des sneakers. Il y a beaucoup de sneakers qui sont sur le marché actuellement. Mais voilà, quand on parle de chaussures, on parle de tout type de chaussures.
c'est aussi chaussures de ville, bottines, etc. Tout à fait. Comme vous l'expliquez, Héloïse, la première réunion de cadrage donc, sera idéalement donc, en présentiel sur le plateau fertile Paris. Donc, le plateau fertile, c'est le nouveau tiers-lieu de l'association Fashion Green Hub. Donc, Fashion Green Hub qui se régionalise et qui a ouvert une antenne parisienne avec notamment l'ouverture de ce plateau qui a ouvert le 21 novembre. D'ailleurs, on organise une petite après-midi porte ouverte au plateau fertile ce samedi 3 décembre de 14h à 8h. Donc, si vous êtes par là, n'hésitez pas à passer. On vous fera découvrir tous nos espaces. Donc, ce plateau qui est vraiment à l'image du plateau fertile de Roubaix, avec une mutualisation d'espaces qui comporte donc des espaces de coworking pour venir travailler avec son ordinateur ou bénéficier du parc machine, donc qui est situé notamment au Fab Lab. Donc, on a un Fab Lab de prototypage avec des machines industrielles et des machines familiales. On a également une imprimante textile comme à Roubaix et des ordinateurs qui permettent de pouvoir utiliser les logiciels de conception 3D. On a également une salle de formation pour recevoir des formations inclusives, notamment autour de la couture upcycling. On a également un bureau d'études que nous hébergeons ici, qui est le bureau d'études du semestre, l'unique façon. Et également deux salles de réunion, dont une qui est modulable en studio photo. Donc, vous pouvez bénéficier de tous ces outils en étant adhérent à l'association, notamment si vous êtes sur Paris et en Ile-de-France. Et elle est, le plateau fertile Paris héberge également la matériothèque circulaire, donc, qui est en physique et en digital à Roubaix et à Paris. Et de la même façon, si vous êtes intéressé pour rejoindre cet outil de matériothèque circulaire où on va répertorier des stocks dormants, des matières neuves en fil recyclé et également tout ce qui va être mercerie, vous pouvez également me contacter à ce sujet puisque je suis la gestionnaire sur Fashion Green Hub Grand Paris de la matériothèque. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à nous contacter, Héloïse ou moi, pour qu'on puisse vous répondre plus particulièrement si vous avez des questions plus précises. Et j'en profite également pour vous rappeler, comme l'a dit Héloïse, qu'il y a une restitution du groupe de travail mode sans plastique qui s'effectue donc, le jeudi 8 décembre au campus Sciences U de Lille. Donc ça va être un moment d'échange justement autour des pistes de réflexion qui ont été abordées lors du groupe de travail mode sans plastique et des solutions qui ont pu être décelées et qui vont pouvoir apporter à toute la filière. Okay. Lucille, on a bien noté que vous étiez déjà pré-inscrite. Héloïse va vous contacter rapidement pour pouvoir voir avec vous ce qu'on peut faire ensemble. Alors, on a une autre question. Les sujets sont divers, durabilité, fin de vie, co-conception, collecte, réemploi. Comment prioriser? Ça va faire l'objet justement des premières réunions de cadrage en fonction du groupe de travail, des personnes qui vont venir le composer aussi. On va venir sélectionner ensemble justement quels sont les sujets qu'on va juger comme prioritaires par rapport à ce groupe. On a aussi Clotilde qui nous demande quand aura lieu la première session de travail. Alors, la première session de travail aura lieu au mois de janvier. On n'a pas encore la date. On pourra vous donner la date un petit peu plus tard quand on aura vraiment clôturé en fait l'ensemble des inscriptions. Voilà, quand on aura déjà une bonne idée de comment se constitue le groupe, on pourra vous donner une date plus précise de quand sera la date de démarrage. Donc, est-ce que Sophie pas en... à vous préinscrire. Vas-y, est-ce que Sophie en a répondu à votre question? J'espère que oui. Et voilà, donc j'en profite pour vous dire pour l'instant de bien vous préinscrire parce que c'est quand même un groupe de travail qui a des places limitées.
Donc après, voilà, comme vous l'expliquez, Louise, elle va étudier toutes les candidatures et voir comment organiser justement ce groupe pour que ça soit pertinent. Donc n'hésitez vraiment pas à vous préinscrire, à aller voir sur le site et préinscrire sur le formulaire pour pouvoir nous donner également vos motivations, mais également les besoins que vous avez et les attentes que vous avez de ce groupe de travail. Je crois qu'on a répondu à la question de Sophie. J'en profite également pour vous signaler que ce live sera disponible en replay sur LinkedIn et sur YouTube si vous souhaitez la revoir ou la partager autour de vous. Deux nouvelles questions arrivent. Alors, première question qui vient d'arriver. Quid du Made in France dans le projet? Le Made in France, il a une place très importante. Justement, sur la fin d'usage des chaussures, l'idée, ce sera aussi de réussir à travailler avec des fournisseurs locaux, voire aussi à visiter des lieux de recyclage. Il y a plein de nouvelles initiatives en France. Et donc, on va identifier tous ces nouveaux projets et voir comment, finalement, ça ne pourrait pas représenter peut-être une solution parmi d'autres pour la fin de vie des chaussures. Donc, le Made in France a une place très importante. Le groupe de travail est-il soutenu par la filière REP? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, Manon, si tu veux y répondre aussi. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais c'est vrai que la filière REP, c'est à voir justement si ça intègre bien les chaussures, mais il me semble que oui. Oui. Donc, oui, je pense. Alors, on essaie de se rapprocher également de la filière de la chaussure. Oui, tout à fait, la fédération de la chaussure. Donc, c'est plein de... Voilà, on est en contact avec beaucoup d'acteurs qui vont pouvoir justement apporter aussi leur expertise, leur soutien pour ouvrir de nouvelles opportunités. C'est bien compris la chaussure. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on a répondu à toutes les premières questions des participants de ce live. Donc, si vous en avez d'autres, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter et surtout, préinscrivez-vous sur le formulaire qui est disponible sur le site de Fashion Grenoble. Là, vous venez de voir justement le site qui s'affiche en bas de votre écran. Et nous, on vous souhaite une bonne journée et on espère vous voir bientôt sur le groupe de travail. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.